tous et bonjour à toutes, bienvenue sur ma chaîne Carte Oracle 17. Les amis, je suis ravie de vous retrouver pour notre mardi 26 décembre 2023. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors, le 26, 6 et 2, 8, le 8. Alors, le 8, évidemment, c'est la journée des petits bobos, des grands bobos. Par exemple, l'exemple toujours facile que je donne, hein, on se cogne, on a un bleu, c'est le petit bobo. On tombe, on se casse quelque chose, c'est le grand bobo. Niveau justice, eh ben, la sanction, c'est pareil. Au niveau justice, je veux dire, au niveau des sanctions, petites et grandes sanctions. Par exemple, contrôle de papier, on ne les a pas. On a une petite amende, forcément. On a, je crois qu'on peut les présenter après, mais on sera quand même verbalisé. On est dans la petite sanction. Et une infraction au code de la route, on est dans la grande sanction. Côté professionnel, on peut avoir là une belle ascension sociale, une promotion. Mais il faut toujours le faire dans la justice, dans la justesse des choses. Sinon, car au retour, deux bâtons. Côté sentimental, là, on est dans la belle rencontre, dans la passion, le retour, en fait, à la passion, à l'amour passionnel, à la métamorphose, tout simplement. Alors, le 8, il a ses côtés positifs, bien sûr, et ses côtés négatifs également. Positif, on est assez persévérant, d'ailleurs. On est travailleur, on peut même, par exemple, soutenir une cause. Côté négatif, par contre, on peut se montrer vraiment ambitieux et tyrannique. Pas se soucier des autres, être très matérialiste. Alors, notre journée du mardi associée à Mars, eh bien, Mars, forcément, on est dans l'action, mais attention justement à ces conflits. La concurrence, l'effort physique, le travail, en fait. Hein. Couleur associée à notre mardi, le rouge et l'or, les amis. Et on va tout de suite regarder. En parlant d'or, avec augure or, quel est le message qui plane comme énergie au-dessus des têtes. Allez, si on va regarder un petit peu, voir le problème, la problématique également. Nous avons boussole, il me semble qu'elle est sortie hier. Hein. Bon, bah écoutez, c'est qu'a priori les choses ne sont pas encore passées, ne sont pas finies. Vous vous sentez perdu depuis quelques jours, il semblerait que voilà, patience, patience. La direction va bientôt arriver, vous pourriez bientôt trouver la bonne direction, c'est ça que je voulais plutôt dire. Cette carte, elle évoque aussi sûrement un déplacement, comme je disais hier, on est en plein mouvement, hein, la fin d'année, on se déplace, on voyage. Également aussi le changement symbolique que ça amène, on va bientôt prendre des nouvelles dispositions, hein, on va se promettre des tas de choses que l'on ne va encore une fois pas tenir. Façon de parler, en tout cas pour moi c'est comme ça, mais bon voilà, patience. Prochainement, la direction sûre sur vos projets, elle va arriver. Allez, si vraiment on est très inquiet, on va regarder. Quel est le conseil? Quelles sont les clés? La clé, le conseil. Eh bien, c'est le même qu'hier. Accepter un soutien. On sollicite ses proches, les amis. On parle, on échange. On ose dire ce qui ne va pas. On ose dire qu'on a besoin d'aide. Écoutez, s'il y a les sorties entre hier et aujourd'hui, c'est que vraiment, il y a besoin d'échanger et de parler de ce que l'on a peur. Et surtout de voir quelle direction on veut prendre. Allez, mardi 26 décembre 2023. À la coupe, nous avons un face-à-face, les amis, dans le domaine professionnel, un face-à-face dans le domaine d'une activité de tous les jours, quelque chose qui vous perturbe ou des démarches qui sont à faire. En tout cas, c'est d'excellentes nouvelles. Il y a des papiers administratifs qui vont être signés, qui sont en lien avec les finances apparemment. Hein, et c'est d'excellentes nouvelles qui vont arriver, les amis. Ne pas hésiter à demander un coup de pouce. Je pense qu'effectivement, il y a quelque chose en attente qui est en train de se faire. Allez, une, deux, trois, quatre, cinq. Deux et 13. Et au dos, nous avons les projets qui sont là. Des projets avec votre homme de cœur, avec une personne en tout cas pour laquelle vous avez de l'affection, qui compte pour vous. Quelque chose qui va se faire assez vite d'ailleurs. Ça va bouger assez vite.
C'est une officialisation qui va se faire et que c'est un franc succès, les amis. Hein. On a quelque chose qui se met bien en place, là. Hein. Nous avons en dominant la signature, le contrat qui est là, qui est acté avec cette officialisation qu'on a vue au dos. Nous avons effectivement quelque chose de nouveau qui démarre, qui s'inscrit en tout cas dans la longévité. Pour vous, ma consultante, ou en tout cas en lien avec une femme autour de vous. Nous avons des papiers administratifs qui vont être signés, qui vont arriver. Attention, autour de cette situation, le bien lire entre les lignes, il y a des gens pas sympathiques, ou il peut y avoir un peu de trahison. Ça peut être autour de vous si vous avez les cheveux clairs, mais ça peut être aussi autour de votre sœur, de votre fille, de votre meilleure amie, mais il peut y avoir aussi une personne aux cheveux clairs qui peut vous la faire à l'envers. Attention, il va y avoir justement un face-à-face, une rencontre. Ce face-à-face, il ne va pas très bien se passer. Il est perturbant, en tout cas. Et c'est en lien avec la maison. Il peut y avoir une situation de traîtrise dans la maison, les amis. Soyez prudents. On peut ne pas être d'accord concernant les finances. Un désaccord financier concernant la famille, la maison. On voit aussi que de ce fait, ça va retarder la situation. Ça risque de retarder les échanges. On voit ici votre homme, votre chéri, ou bien c'est ce couple qui rencontre une certaine difficulté concernant les finances dans la maison. Un retard, par exemple. De courrier où ils sont en attente et ce courrier n'arrive pas. Ça peut être vous, bien entendu, hein, le couple. Hein. On voit qu'il est question d'une signature, mais d'un contrat qui retarde, qui est retardé. Hein. Pourquoi il est retardé? Il est peut-être ralenti par des gens pas très sympathiques. Hein. On voit bien que vous démarrez quelque chose, en tout cas avec cet homme. Pour cet homme démarre quelque chose, ou bien c'est votre chéri, si c'est quelqu'un qui présente bien. En lien avec la maison, la famille, peut-être un nouveau logement, un déménagement. On voit ici vous. Si vous avez les cheveux clairs, votre sœur, votre fille, mais ça peut être également aussi un couple qui est là, vous allez avoir des nouvelles. Hein. Des nouvelles concernant le financier, ça va peut-être demander d'ailleurs un déplacement pour une histoire de papier que l'on n'a pas l'air de vouloir récupérer rapidement puisque on a l'air d'être freiné. Le 7, le 8, 1, 2, le 9, 1, bon... Le 10, un seul valet, un 2, dame, 2, roi, un seul, les as, on a 3 as là, hein, les amis, il y a un coup de chance à l'horizon. Alors peut-être que sur des courriers qui ont freiné, qui ont du mal à arriver, il y a des choses qui vont se décanter, vous allez peut-être finalement recevoir des nouvelles, justement, de l'argent. Peut-être qu'on vous devait de l'argent d'ailleurs, hein. Je vais en mettre une donc sur notre valet de pique là. Notre valet de pique, nous avons bien les projets qui sont là. Donc les projets sont peut-être freinés à cause de gens mal intentionnés autour de vous. Hein. Alors on voit très bien qu'il est question d'un contrat, de papier administratif, d'un contrat qu'on est en attente certainement parce qu'apparemment il est légèrement retardé. On va peut-être devoir se déplacer. Il y a un face-à-face de prévu et qui va un petit peu nous perturber concernant le financier. On vous doit peut-être de l'argent, on a du mal à le récupérer. Hein, en lien forcément avec des gens pas tellement sympathiques. Ça concerne vos projets. Et il y a des courriers qui vont finir par arriver. Il y a une lettre en tout cas. Vous allez pouvoir démarrer quelque chose de nouveau. Vous, ma consultante ou une femme autour de vous. Nous avons également ici un homme en lien avec lui qui a un rapport avec le patrimoine, la maison, la famille, le foyer. Vous, si vous avez les cheveux clairs ou votre sœur ou votre fille, et tout ça est lié autour de la maison, hein, de la famille en tout cas. Allez, l'oracle des miroirs, mardi 26, nous avons, eh ben ça c'est plutôt beau, le miroir magique, la protection, très grande protection les amis, hein. Nous avons à la coupe, eh bien oui, on retrouve bien la maison, puisque il est quand même, il y a un grand oui, hein. Il y a quelque chose autour de la maison, là.
vous allez devoir prendre la parole et vous allez aussi prendre de la hauteur. Il a peut-être été question de se déplacer, de déménager, de voyager en lien avec le patrimoine, la maison, la famille, puisque là, maintenant, forcément, on a la famille. Vous avez pris une nouvelle direction. Hein. Alors, effectivement, il peut y avoir des soucis. Vous prenez la parole parce qu'il semblerait qu'il a fallu peut-être défendre, j'ai envie de dire, son beefsteak, hein, c'est le cas de dire, quelque chose qui n'allait pas. Et ça concerne bien un contrat, les amis, mais on voit qu'il y a une belle évolution. Hein. Vous allez vous défendre, hein. Vous allez devoir prendre la parole, d'ailleurs. Pour prendre, vous avez sûrement pris une nouvelle direction, une nouvelle orientation, en lien avec la famille, la maison, le foyer, voyez comment ça vous parle. Mais il va falloir prendre la parole et se défendre. D'où ce côté, les amis, qu'à un moment donné, vous êtes perdu depuis 2 jours, certainement, et ne pas hésiter à demander, vous voyez, ça concernait un voyage ou un déménagement. C'est bien ce que nous a dit Monsieur Augure. Hein. N'oubliez pas, il était question de parler, d'oser dire et de demander un coup de pouce, un coup de main, un soutien. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Au dos, nous avons toujours cette maison, ce foyer. Vous avez pris beaucoup de hauteur, peut-être aussi est-il question de voyager hein, pour retrouver de la famille. En tout cas, il est question également, peut-être que vous avez bougé, vous avez déménagé, vous avez pris une nouvelle direction. Concernant cette nouvelle direction, également, certaines personnes se déplacent aussi, voyagent pour aller voir certainement un enfant ou en tout cas, si vous démarrez également quelque chose de nouveau dans le domaine de la maison, eh bien, regardez ça, il y a le miroir magique, hein, une très belle protection également pour une nouvelle direction concernant un enfant ou avec un enfant. En dominant, nous avons beaucoup d'amour, beaucoup d'émotions pour cette journée, les amis. Vous actez quelque chose, vous décidez en tout cas quelque chose, et c'est de l'émotion. Hein. Pour certains, je pense qu'il peut y avoir aussi une histoire sentimentale qui démarre, sur laquelle on se met d'accord. On vous reproche quelque chose, ou c'est vous qui culpabilisez par rapport à cette situation. D'ailleurs, votre état d'esprit, hein, parce que peut-être que vous partez dans une autre ville, un autre département, une autre région, vous vous déplacez, vous partez à l'étranger, vous prenez de la distance, et c'est certainement ça qui vous fait un petit peu cogiter. Bon, en tout cas, il y a de la trahison autour de vous, les amis, attention, il peut y avoir une certaine trahison sentimentale également, émotionnelle. Il y a un organisme là, alors peut-être que vous avez peur qu'un organisme vous la fasse à l'envers. Pour démarrer quelque chose de nouveau, vous êtes sur la lancée, là, prêt à démarrer quelque chose, mais j'ai l'impression que vous avez peur qu'une situation ne se passe pas comme vous le voulez. Regardez ça. Là, il va bien y avoir quelque chose qui démarre, qui est perçu comme un cadeau, peut-être même une grossesse, hein, autour de vous, en tout cas. Peut-être qui a mis du temps à arriver, mais en tout cas, elle est bel et bien là, cette nouvelle situation, ce cadeau. Regardez, on acte, on signe. On décide quelque chose. Alors, ça a pris un peu de retard. C'est ce côté, justement, qui vous fait cogiter. Je pense que c'est ça. Et on se sépare de ces idées malsaines, de ces idées reçues. Alors, peut-être également qu'il y a un problème sentimental. On se sépare, malheureusement, j'ai envie de dire. Ça a dû perdurer depuis un petit moment. Hein. Donc, voilà, eh ben, de ce fait, on a pris une décision. Pour certains, sentimentalement, il y a de la trahison, émotionnelle également. On voit très bien que vous allez décider quelque chose pour démarrer quelque chose de nouveau. Ça peut être une séparation. En tout cas, on acte une situation qui a mis certes, ou qui va peut-être être retardée. Mais en tout cas, il y a une situation qui va s'améliorer et ça va être perçu comme quelque chose de beau qui vous arrive. On voit ici un organisme hein, qui va effectivement vous apporter quelque chose. Mais on voit que vous culpabilisez quand même. Hein. Alors, je vais en mettre une sur culpabilité. Et puis trahison, bien entendu. Allez, culpabilité et trahison. Trahison, c'est parce qu'il va falloir certainement prendre une nouvelle direction. Ou bien, concernant votre nouvelle direction, vous avez été trahi. Bon, c'est avec un homme. Hein. Alors, il peut y avoir un homme qui culpabilise, mais je pense qu'il peut y avoir un homme qui vous a culpabilisé. D'où cette séparation, pour certains, ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. On voit très bien que de ce fait, eh bien, vous prenez une nouvelle direction. Ou bien, le fait d'avoir pris une nouvelle direction, pour
certain que vous avez été trahi. Hein. C'est comme ça que je le sens. Hein. Et je pense que vous prenez une nouvelle direction. Comme je l'ai dit, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, bien entendu. Allez, reviens là, toi. Hop. Mardi 26 décembre 2023. Mardi 26 2023. À la coupe, nous avons l'argent, les amis. Et un procès, peut-être est-il question de litige concernant le financier. D'accord. Effectivement, côté procès, ça ne va pas fort. On vous demande vraiment de réfléchir, de lâcher prise un petit peu. Hein. Regardez, vous avez l'appui. Effectivement, il faut lâcher prise parce que vous avez vu, vous avez de la trahison. Alors, pour certains, il peut y avoir un litige également concernant un arrêt de santé, un arrêt maladie, qui peut être professionnel ou autre, et d'où ce litige avec l'organisme concernant peut-être des frais, de l'argent que l'on vous doit, des journées, des indemnités, vous voyez. On avait vu la passion hein, qui est restée. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On vous demande d'avancer. Regardez, ce petit bonhomme, il souffle. Il vous dit, vous allez être reconnu, entendu. Vous allez récupérer votre dû. C'est effectivement bien lié peut-être à la situation professionnelle ou en tout cas ce que vous essayez de mettre en place. Vous allez avoir un éclaircissement. Vous allez voir beaucoup plus clair sur cette situation qui concerne bien de l'argent. On doit, on vous doit certainement de l'argent. En dominant, nous avons le travail qui est là. Je ne suis pas étonnée puisque je pense que c'est en lien avec l'activité professionnelle ou en tout cas une démarche que vous avez effectuée. Il y a beaucoup de passion, beaucoup d'émotions hein, dans ce domaine. Il peut y avoir aussi beaucoup de passion et d'émotions dans la maison également. Suite à un nouveau départ, suite à quelque chose qui se met en marche, qui occasionne beaucoup de plaisir, beaucoup de joie, les amis. C'est des nouvelles qui arrivent. Les nouvelles mettent en joie. Elles sont au sein de la maison, dans la maison d'ailleurs, et elles mettent en joie. C'est quelque chose qui nous permet de mettre fin, d'avancer. On coupe une situation. Il y a un départ là. On met fin et c'est beaucoup de bonheur et c'est beaucoup de joie. Les nouvelles sont plutôt bonnes. Alors, les nouvelles peuvent concerner la maladie, on l'a vu tout à l'heure, effectivement, un arrêt maladie ou autre, et vous avez une superbe protection, la grâce. On voit bien que vous avez une superbe protection sur la méchanceté éventuellement qui a eu lieu également autour de vous. Il y a un litige, un procès, hein, il y a bien un désaccord. Et ce désaccord peut concerner un héritage ou ce que vous mettez en place depuis un certain temps. Alors, on voit bien que dans l'activité professionnelle, il y a des nouvelles qui vont arriver. Hein. Peut-être dû à un arrêt, on est à la maison, il y a de la méchanceté autour de ça. Hein. Mais de toute façon, ça dure depuis un petit moment. Vous allez avoir de la joie, les nouvelles vont plutôt être agréables, enfin, j'ai envie de dire. Parce que grâce à un procès et à un litige que vous avez dû avoir avec employeur ou autre, hein, un organisme également, on voit que ça prend fin. On voit que ça peut être en lien avec un arrêt de maladie, des indemnités que l'on vous doit aussi, par exemple. Vous pouvez aussi avoir eu un procès en dehors de tout arrêt maladie. Ce procès vous a rendu évidemment fébrile et pas bien du tout. Il ne s'est pas très bien passé. Et on voit que de toute façon, ça va prendre fin, on va pouvoir partir. Alors, méchanceté, maladie, méchanceté et maladie. La méchanceté, c'est qu'on a essayé de vous arnaquer, mais je pense que vous le savez déjà. On a essayé de vous gruger, que ce soit professionnel, que ce soit famille, attention, mais que ce soit au niveau de l'argent. Hein. Vous le savez déjà, mais de toute façon, vous avez, vous, gain de cause. Hein. Il y a, voilà, niveau arrêt maladie peut-être, ou le procès également, il y a eu du retard, ce qui fait qu'il y a eu, on va dire, que ça vous avait perturbé. On voit que ça a pris du retard, effectivement, mais ça va prendre fin.
Allez, on termine avec une petite carte, si vous le voulez bien. Hop, pour cultiver la joie de vivre. Hop, c'est parti. Pour nos amis cancer, j'organise un dîner à thème, tout fromage, tout fruit de mer. On peut ainsi s'appliquer à goûter avec beaucoup d'attention les mets que l'on aime particulièrement, les comparer, les humer, en partageant ce plaisir avec des convives, on décuple volupté, connaissance et convivialité. C'est le moment en plus les amis. Allez, Scorpion, je change d'itinéraire pour rentrer chez moi. La vie quotidienne est jalonnée d'habitudes qui ne laissent pas de place aux joies simples. Il suffit de changer de route, d'acheter le pain dans une autre boulangerie, d'aller faire ses courses à une heure inhabituelle pour sortir de cette usure routinière et retinter de joie par ses actes banals. Oui, c'est vrai ça, changer un petit peu ses habitudes comme ça, routinières. Bélier, je me souris dans un miroir. Il faut s'efforcer de ressentir la tendresse, l'amitié, l'amour que l'on éprouve pour ce visage. Il reflète nos émotions, il porte les traces de notre histoire, il nous représente aux yeux des autres. Nous devons donc considérer nos traits avec bienveillance, quels qu'ils soient. Sagittaire, j'arrête de courir. Savourez le plaisir de conduire, lentement, de se balader le nez en l'air, de parler un moment avec la boulangère. C'est reprendre possession de son temps et remettre un peu de joie dans son existence. Balance, je laisse mon esprit vagabonder autour d'un objet de mon choix. L'imagination, enfin libérée, se mettra à voyager et la créativité pourra se manifester, contrairement à ce qui se passe quand on rumine, qu'on tourne autour d'une même pensée de façon obsessionnelle et douloureuse. Ce vagabondage mental est très apaisant. Gémeaux, je décide de cultiver mes sens comme un jardinier son jardin. Nos sens, ces extraordinaires outils de connaissance et de plaisir, sont trop souvent traités comme un matériel vulgaire et corvéable à merci. Nous les utilisons sans y penser. Il faut revenir comme un nourrisson ébloui et jouisseur. Verseau, je me fais un compliment sincère à haute voix. Il faut écouter cette voix amie et accepter le compliment avec simplicité. Il ne s'agit pas de cultiver la vanité, mais simplement de prendre conscience de sa propre valeur et de se faire plaisir. Poisson, j'ose me reposer lorsque je suis fatiguée. En respectant son rythme physique, en écoutant les messages de son corps, on fait la paix avec lui. Et on le considère comme ce qu'il est, notre meilleur ami, l'agent indispensable de notre bien-être et de notre joie. Capricorne, je fais le bien autour de moi dès que je le peux, car toute chose positive qui arrive aux autres est également bonne pour nous. Nous sommes tous reliés les uns aux autres comme les feuilles d'un même arbre. Vierge, je fais le beau temps en moi-même. Nous pouvons décider de nos pensées et créer en nous-mêmes un espace de joie sur lequel viendront se dissoudre les contrariétés du monde extérieur. La joie se décide et se construit. Lion, j'accomplis ma vie calmement, un acte après l'autre, sans mélanger action présente et projection dans le futur. Ainsi, l'esprit ne s'encombre ni ne s'embrouille. Les gestes sont plus justes. Nous pouvons être pleinement à ce que nous faisons et en tirer d'intenses satisfactions. Taureau, j'ouvre un dictionnaire au hasard et je picore un mot ici, un mot là, une façon agréable de laisser l'esprit vagabonder. On perçoit ainsi les liens qui se tissent entre les choses, ce qui à la fois nous libère de nos obsessions et nous relie au vaste monde. Eh bien, voilà les amis. J'espère que ce tirage de notre mardi 26 décembre vous aura parlé et vous parlera. Merci pour votre présence et votre soutien à ma chaîne. Je vous souhaite pour ma part une excellente journée et je vous donne rendez-vous pour demain. À bientôt.